C'est bandit, je peux rien faire. Eh ben si. Je m'électrocute, je me décale, je pose. Enjoy! Caméra piratée, je peux lâcher ta caméra ou quoi? Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Moi, j'y suis pas. J'ai envie de tenter un truc là, mec. Je pense que je vais prendre un timing de merde au moment où je regarde à droite, il va arriver à gauche. T'as du monde là? Y'a du monde? C4 set. Oh my god! Qu'est-ce que tu fais là? Wow! Mort. Tu l'as eu le mec qui me tire dessus là? Faites toujours les tirs de Maverick au niveau du noir de la machine, ça se voit très mal. Attends, c'est lui, c'est où qui a tiré? Je sais pas, j'ai niqué. Un blessure. Wow, GG Maverick, ouais, tu m'étonnes. C'est un truc de malade. Oh le bâtard. Je spawn kill là. Très très bien. 1. Vous regardez s'il n'y a personne qui est au bac bacalet là derrière le garage. Et 2. Vous décalez pour aller choper les mecs qui arrivent tout droit comme des pimpins du Christmas Market. S'il n'y a personne au Christmas Market. Ça marche très très bien. Ah ouais, il est très bien ce spawn kill, il est vraiment vraiment dévastateur. D'abord il faut, en fait le mieux c'est d'avoir une personne qui regarde la cam de la bacalée, donc de ce qui emmène au garage. Si quelqu'un vous dit que il y a personne, donc vous tentez, il y a 3 spawn kills. Il y a le punch que j'ai fait dans le garage, dans la porte. Donc en gros c'est, tu décales à la porte et tu décales là où j'ai décalé pour regarder. Tu décales par le petit trou s'ils arrivent du côté gauche du camion blanc. Et s'il y a personne, tu décales directement au marché de Noël et les mecs arrivent en face de toi. Excellent, franchement c'est un super spawn kill. Et ça personne ne le fait souvent, en 3 temps, très très peu de gens le font. You want me to show you something, Pioli? Look, look, look. Get away, get away, get away. Je vais vous montrer un truc les deux. And now, you can vault in. Look, look. Je me demande si on n'était pas des... Good, perfect. Did you know that? Now you know. Ah bah c'est vrai, tu mets des casseroles à la con. C'est toujours les pires casseroles. Pourquoi t'as pas de bon avec casseroles? Renforce pas ce pur là. Attends, ça fait couvre-moi vite fait. Attends, mec, faut que je pose la mira de l'autre côté, moi. Bah attends, t'inquiète, y'a Mister... Oh là là. Là, ça me fait la merde. J'ai toujours un mur frontaine. Je l'ai, je l'ai. C'est la ligne Mary. Normalement, faut faire un trou de balle. La vraie ligne Mary, c'est un trou de balle. Ah ouais, ça c'est clair que c'est un trou de balle. Et là, j'ai fait deux trous de balle. Bah deux.
Un gros gros trou de balle. Oh ta gueule putain. Toi je te pisse au cul quand même. Ouais, bah, ouais. Il y a tellement d'amour entre vous, c'est beau. Ta gueule toi. Ta gueule toi, sale merde. Putain, mais mange tes dents quoi. Alors, sur les doigts. Si vous voulez la tester, c'est la deuxième latte. Première latte, deuxième latte, un petit trou au milieu et normalement avec le bon angle, c'est bon. On va peut-être pas la retenter, regarde. Première latte, deuxième latte. 10 seconds to insertion. Voilà. Là je l'ai normalement. J'ai fait des trous sympas ça. 5 seconds and counting. Voilà. Voilà, là je l'ai. Ouais. Tâche transport du cul. Vous savez que ça s'appelle le cercueil ? Ils ont pas mal d'équipes. Chez Millennium, ça s'appelle le cercueil. Voilà, cette pièce s'appelle le cercueil chez Millennium, normalement, s'ils l'ont pas changé. Et coffin chez Penta, ce qui veut dire cercueil. Et d'où est-ce que ça vient? Et ben ça vient d'un joueur français, ok? Ben c'est pas moi, mais bon, c'est moi qui trouvais le nom. Mais ça vient de Falco. Le coup du cercueil, on avait appelé ça. Je sais pas si vous connaissez le coup du cercueil. Eh bien voilà, vous savez maintenant pourquoi est-ce que les gens appellent cet endroit cercueil. Certains, pas tous, hein. Ceux avec lesquels j'ai pu jouer par exemple. Tu fais ça là, tu restes là. Et dès que tu les entoures au-dessus de toi, tu balances le C4 à peu près par là pour qu'il aille là où le mec va prendre la ligne en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un kill plutôt facile. T'attends vraiment que le mec commence à tirer et tout là. Si tu veux à la limite, je te le bait. Je veux bien que tu peux mettre là, là-bas. Pour le bait là-bas. Attends. Il a ouvert la fenêtre là. C'est pas vrai. Putain, je vais me faire péter. T'es prêt? Ouais. C'est moi qui ai tiré. Là, je sais. Nice poulet! Ça c'est un kill facile. Ouais, ça c'est grâce à toi. Je vous conseille à tout le monde. C'est plutôt facile à faire. Tu veux pas qu'on change? J'ai pas d'assez au jeu. Je veux pas qu'on aligne du truc. Parce qu'on a l'impression que l'atrium en fait est grand en haut, mais les lignes de shoot sont souvent les mêmes quoi. Par exemple celle-là là. C'est un truc de malade, un truc de malade. C'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai inventé. Je l'ai dit à 6-4 et 6-4 l'a dit à un mec qui l'a mis sur le... C'est pas grave random, hein. Non, non, parce que si tu le fais toujours au même endroit, vu comment elle glisse comme ça dans le trou, il y a de grandes chances que ça passe tout le temps. Bon, ils sont pas en bas. Je vais essayer de le faire, je vais essayer de le tenter, tiens. Allez, vite. Bah, j'ai juste regardé, à mon avis, l'angle, le mec l'a travaillé pendant des heures, quoi. Ouais, clairement. Mais, En gros, le mec se met genre vers ici. Allez, il fait péter ça. Il balance la première grenade. Il balance la deuxième grenade. Derrière, il balance le drone. Ah bah là, c'est bon, ça l'a fait. Là, ça l'a fait, bon. Mec, du premier ça coup. L'a fait. Ah, ça a fait quoi exactement en fait? Bah, la grenade, elle tue la Mira en dessous de la cheminée. Il va se remettre en bas et regardez bien comment on nique un mec. Un, tu fais cette ligne là. Tu fais croire qu'il va être sauvé, ok? Mais deux, tu fais sa vie, direct après, tu balances une grenade. Attends, poulet, s'il te plaît, poulet, j'ai vraiment besoin de son. Et ça marche pas. Franchement, quand la trappe est... Moi, j'aime pas quand on pète la trappe, parce que cette ligne-là, franchement... Regardez bien. Bah voilà, il recommence avec ses flashs de merde, lui. Tu peux pas les faire sur les ennemis? Cette ligne-là, elle est chiante. Oh bah, sauf quand tu te concentres pas et qu'il y a un mec qui passe. Mais vraiment. Putain, les I'm yings. Coming, guys! Il y a un lézio. Kobe! Mira? Yeah. Ok. You are French? What? Wow. Wow. Il est pas dans l'escablon puisque ton pote y arrive.
Escarouge là-bas peut-être. Ouais voilà, Escarouge. Escarouge, lève-toi. Tire à travers à droite là, des petits pré-shots. Voilà, un peu. Non, décale-toi plus à gauche pour avoir une meilleure ligne. Non, décale-toi plus à gauche. Décale-toi plus à gauche encore. La plus petite ligne que tu peux. Et tire le plus à droite possible maintenant. Plus bas. Voilà, c'est bon. Attends. Maintenant. Attends, c'est pas avec ton viseur. Vas-y, continue. I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches.